France Bleu Azur. France Bleu Azur. Azur en scène. Le son de la Côte d'Azur. Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous sur France Bleu Azur pour notre 100% live, toute l'actualité de la scène azuréenne, avec les artistes de notre région qui viennent jouer en live et nous offrir le meilleur de leur musique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir John Drey, qui a vu le jour loin de la Côte d'Azur, mais que la vie a conduit sur nos rivages, très jeune, et puis l'un des meilleurs batteurs que nous ayons sur notre riviera, Laurent Covin. Autant vous dire que nous allons nous faire plaisir jusqu'à 19h. Vive la musique! So hot and I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the curtain run out, I've been giving it my best step, and nothing gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. Do 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 do. Yeah. Well, open up your mind and see it like me. Open up your plans and then you're free. To your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's God for second right to be love, 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 love. So I won't hesitate. Just to try to see it clearer, but my breath fucked up the glass. So I drew your face and I laugh. I guess what I'd be saying if there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the season. It's what we aim to do. Our name is Azur en scène, Adrien Mangano.
Bonjour et merci d'être avec nous sur France Bleu Azur et dans Azur en scène. France Bleu Azur, c'est la seule radio des Alpes-Maritimes à vous offrir régulièrement des concerts en live avec des musiciens du cru de chez nous ou qui passent par notre région. Aujourd'hui, deux artistes qui ont pour lien la passion pour la musique et liés aussi par une grande amitié. John Drey et Laurent Covin. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. John, j'en faisais allusion en début d'émission. Tu es un Azuréen d'adoption. Tu as vu le jour en région parisienne et la suite, tu vas nous la raconter. C'est ça. Je suis né à Créteil en région parisienne, mais bon, ça fait 30 ans que j'habite à Nice, donc c'est vrai que c'est quand même une longue expérience ici. Et musicalement, je suis là, j'ai commencé la musique à peu près à 15-16 ans, donc un peu sur le tard, la guitare. Ouais. Et puis j'ai appris tout seul. Et puis j'ai commencé mon parcours musical en écoutant des chansons de variété française, de pop, de rock, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Père Noël qui t'a offert ta première guitare ? Ouais, c'est ça. mon Père Noël, ouais. Il avait commandé et c'est tout. C'est ça, ouais. J'ai demandé une guitare pour Noël et puis je l'ai eue. Et puis c'était une révélation. Moi, j'écoutais pas mal de choses. Déjà, j'aimais beaucoup la musique. Oui. Mais je comptais pas en faire plus que pour un loisir comme ça. Et puis finalement, les choses se passant naturellement, j'ai commencé à en faire de plus en plus, 3-4 heures par jour, quand même. Tous les jours, comme une passion en fait. Hein, au bout d'un moment, après on décroche plus et puis on a envie de développer un répertoire et plein de morceaux s'enchaînent, etc. John, je crois savoir qu'il y avait aussi un piano à la maison, non ? Oui, aussi. Ma sœur jouait du piano, donc elle prenait des cours, donc il y avait un piano. Mon père jouait un petit peu de piano aussi, donc dans la famille, on aime beaucoup la musique. Après, pas de là en faire un métier, ça n'a jamais été le cas. Pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir. Puis mon frère et moi, on a voulu commencer un peu à faire de guitare tous les deux. Et puis il s'est avéré que ça a été un choix plutôt, plutôt payant. Parce que pour moi, ça a vraiment été comme un coup de foudre avec la guitare. J'ai beaucoup aimé ça et ça m'a pris vraiment au triple. Et puis la guitare, c'est plus facile à transporter pour s'accompagner. Ouais, aussi. Carrément. Ouais, surtout l'acoustique. Parce que j'ai fait l'électrique aussi. J'ai commencé, quand on est jeune, on est ado et tout, on écoute aussi du rock et tout, donc on veut faire un peu comme les guitaristes solistes, hein, faire des solos de Deep Purple, de AC/DC, des choses comme ça, et donc on a envie aussi de toucher un petit peu à tout, donc j'ai fait de la guitare électrique, de la guitare acoustique et de la basse aussi, donc trois instruments qui sont assez complémentaires. Tu as fait ton apprentissage avec cette nouvelle amie, la guitare, en écoutant beaucoup les quatre de Liverpool. Ah oui, les Beatles, les Beatles carrément, c'était... C'est encore aujourd'hui une de mes influences majeures. J'ai énormément de respect pour la carrière des Beatles. C'est peut-être bateau ce que je dis, mais c'est quelque chose... Encore aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la richesse de composition, d'harmonie, d'arrangement, d'orchestration, c'est très très fort. Et c'est quelque chose, à l'époque, je pense que... Alors, ça a dû être une révolution musicale énorme. Et encore aujourd'hui, je ne me lasse pas d'écouter les morceaux des Beatles. Plus Beatles que Rolling Stones. Même si j'ai un t-shirt des Rolling Stones aujourd'hui, plus Beatles que Rolling Stones, ouais, c'est clair. Mais ça n'est pas, et tu joues avec une bande de copains dans un local. Ouais, c'est ça. En fait, forcément, une fois qu'on a joué à la maison, on a qu'une envie, c'est de partager ça avec des potes, avec des amis. Et très rapidement, on s'aperçoit que c'est plus une affaire d'amitié que de musique. Donc on monte des groupes pour s'amuser au départ. Et puis les premières scènes s'enchaînent. On va pas tout raconter tout de suite. Ouais, ouais. Hein, la suite des aventures dans un instant. On va prendre le temps de t'écouter avec Laurent Caron pour quelques titres en live. C'est Azur en scène et c'est France Bleu Azur. Profitez-en. On va faire un morceau de Boney M. Il s'appelle Sunny. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile on me and it is my pain. The daddies are gone and the brighties are here. My sunny ones shine so sincere. Sunny, once so true, I love you. I love you.
sunny. Thank you for the smile upon my face, sunny. Thank you for the gleam that shows it grace. The daddies are gone, and the brighties are here. The sunny won't shine, so sincere. Sunny, one so true. I love you. I love you. I love you. I love you. Azur en scène sur France Bleu Azur. On va faire un morceau de George Michael qui s'appelle Face. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I've got to sing twice. Before I give my heart away, I know that all the games you play, we gotta play them too. Oh, but I need some time of that emotion, time to bring my heart up off the floor. Oh, when our love comes down without devotion, when it takes a storm, man, baby, but I'm showing you the door, 'cause I gotta have faith. I gotta have faith. I gotta have.